Exerçant un contrôle complet sur la rondelle, les Canadiens dominaient leurs adversaires. En peu de temps, la tension se manifestait chez les jeunes Finlandais. À preuve, Matti Hagman faisait trébucher Bobby Orr et l'équipe Canada avait la première occasion d'utiliser son jeu de puissance. Déjà redoutable à l'attaque, l'équipe Canada devint impitoyable dans son jeu de puissance. Il ne fallut que 39 secondes aux Canadiens pour profiter de la situation, alors que Richard Martin comptait le premier point du tournoi pour la Coupe Canada. Exerçant un contrôle complet sur la rondelle, les Canadiens dominaient leurs adversaires. En peu de temps, la tension se manifestait chez les jeunes Finlandais. À preuve, Matti Hagman faisait trébucher Bobby Orr et l'équipe Canada avait la première occasion d'utiliser son jeu de puissance. Déjà redoutable à l'attaque, l'équipe Canada devint impitoyable dans son jeu de puissance. Il ne fallut que 39 secondes aux Canadiens pour profiter de la situation, alors que Richard Martin comptait le premier point du tournoi pour la Coupe Canada.